Et yo les bots, aujourd'hui on se retrouve sur The Asylum. On va continuer cette map d'horreur. C'est immense, suffit de manger du pain. Non, des tableaux. Ok, y a rien. Merci d'être venu pour rien. Je suis allé ici. Ouais, dans le dernier épisode. Donc on monte. Je récupère les tableaux, mais je crois que j'ai pas le droit de toute façon. Allez, encore un tableau. Revoir. Moi, plus on peut enlever la citrouille. Non. Bouche à dupliquer. Ok, il n'y a rien. Bonjour. Oh putain, il m'a vite. Ok, c'est fermé, c'est pas si mal. Je teste, on sait jamais. D'où est sorti l'autre? C'est moi ou il vénère? Bon, on sait tous qu'il y a un screamer. Bouh! Oh, mais c'est des ballons! Bon, allez, fais peur. Ok, il fait pas peur. Et on a deux. YOLO! Oh, mais. C'est des têtes, elles sont à l'envers. Ok, c'est super chelou. Ah, j'ai oublié un coffre. Et bien sûr qu'ils sont vides. Je sais pas, je peux leur foncer dans la gueule, je peux rien leur faire. On dirait que c'est fait en brochette par un armor stand. C'est chelou. Ah, que la musique est chelou de toute façon. Bon, y a rien, on est d'accord. C'est pas par là, c'est par où? J'ai pas du stuff intéressant. Non. Voyons si un truc s'est débloqué ou autre. Regarde, rien à voir. On va deux à l'heure. Hop là, encore un tableau. On va repartir en bas. On dirait qu'on se fait exploser la tête à chaque fois qu'on descend une marche. Non, il y a toujours.
vois rien. Je sais pas, c'est chelou ce jeu. Oh, c'est des bruits dégueux. Là, on pouvait pas y aller, hein. On est d'accord. Pourquoi je trouve jamais rien? Ok, c'est horrible. Clockwork. Oh, mais j'ai un CD! Ok, on l'enlève. Ça va exploser les oreilles. Y'a rien. Est-ce que si je reviens là-bas, on va revoir le truc? Vous savez, le petit squelette qui était venu? Il est plus. Ah bah heureusement pour nous. J'ai pas besoin de savoir tes notes. Putain, y'a rien. On va redescendre. Et donc on se retrouve sur toujours la map. Comme je désespérais, je suis allé voir une vidéo de quelqu'un. Et ben là, il y avait une clé en fait. Et moi, je l'ai pas. J'ai regardé laquelle couleur c'était. C'est la rouge dont je me suis guidé. Et on peut continuer la map tranquillement. C'était chelou, mais ça arrive. Sinon, j'aurais fait des tours pendant 3 heures. Et j'aurais ragé à force, je pense. On continue. C'est sûr qu'avec une clé, c'est mieux. Ça fait toujours un bruit aussi dégueulasse. Je pense que c'est la clé qui va, je sais pas où. Allez. Ah, j'ai juste une S2. Archive. Bah voilà. Bon, après avoir un peu réfléchi, je me suis dit, il n'y avait pas que cette porte. Elle était là. Non. J'ai écrit Era Restrict dessus. Ouais, c'est la même. Non, non, quoi? Oh, j'ai peur que ça marche pas. Bonjour. Bonjour les zombies. La liberté. Aïe, aïe. Y'a rien. Oh non, encore une clé. Hop là, encore une peinture pour moi. Pourquoi c'est comme ça ce truc? Des fils, je peux pas sauter. Hein? C'est mal qu'on puisse récupérer tout ça. On va dire que oui. Hein. Pourquoi j'ai qu'une laisse? Oh non! Non, t'es pas sérieux. Non! Ah, la pioche est là. On en a un game mode 2. De quoi ça va m'aider? Non, c'est une pioche tout à fait normale, elle sert à rien. On sait jamais pour celui-là. Ok, y a rien. Y a rien. Y a rien non plus.
Mais non, mais me dis pas que j'ai ouvert ça pour rien. À part ça. C'était quoi ce bruit? Non, on n'y voit rien. Mais c'est chelou ce jeu. Je pense qu'elle sert pas à rien, cette pièce. Voilà, non. Y a rien. J'ai l'impression que là, ou la map ne marche plus, ou c'est qu'il y a un problème. Ou c'est, non, donc c'est que je suis idiot, c'est tout. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve. Il est 16 h. Merci. Rien à faire, je suis bloqué. Bon, ce que je vais faire, je vais réinstaller la map et je vais revenir jusqu'ici, puis on verra où est-ce qu'on se retrouve. Bon, ok, je vous explique. Là, j'ai refait toute la map, j'en ai téléchargé une nouvelle. Et la clé rouge, bah, elle était dans celle-là. Donc, on va repartir ici. Parce que ici, il n'y avait rien qui s'était passé. What? What? C'était qui ce mec? Pourquoi ça lag? Oh, what are you doing down here? I don't know. I got down here, the door locked behind me, and I was knocked unconscious. Oh dear, you'd better try to get yourself out. This room looks awfully dangerous, but the door is still locked. How am I meant to get out, and how did you get in? Oh, I came in here with you. No, you didn't. I never saw you. Oh, you never saw me. But I've been with you for a very long time now, just hidden away. What do you mean? Who are you? My car crashed here 20 years ago, and I met the old manager of this asylum. He offered me a job, so I became a caretaker here. Oh, so you have a key to the door then? When I first started working here, it was dreadful, listening to the insane cries from the patients. But the more I started to listen, the more I began to realize they were right. What are you talking about? They told me how it was fun to kill people, stab them or suffocate them. So I tried it out. And you know what? It was. I started with the manager. He never respected me anyway. And then the staff, and finally every patient here. They were the most fun. They understood my desires. Get away from me! I'm sorry. I can't do that. I can't believe you haven't realized yet. I'm you. Voilà, un petit résumé, si je me rappelle de ce qu'il vient de dire. Il m'a dit que j'allais rester très 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 longtemps ici. J'espère pas en tout cas. Aussi, je lui ai demandé s'il y avait la porte de la clé. Il m'a dit, je sais plus en fait. Je sais plus ce qu'il m'a dit. Il a dit qu'on lui avait fait du mal, donc qu'on va rester là. Ok. Oh, c'est déjà fini? Oh, c'est génial quand même. Un grand applaudissement à tout le staff. C'est génial quand même. Bon ben, ce que je peux en conclure, c'est qu'en fait, on est resté bloqué dans une prison, quoi. Voilà la fin de la map. Bon, mais vu que c'est la fin de la série, la map est dans la description, le téléchargement est celui du créateur. Ce n'est pas moi qui vous donnerai la map ou autre chose, c'est carrément celui du créateur. Par contre, comment on termine là? Monster Fish. Ouais, bah, c'était super. J'ai bien eu peur, ils ont géré. Surtout bravo Redstoneur, parce que c'est eux qui ont fait le plus grand défi.
Après, ça, ça doit être tous les builders, je pense. Ah non, ça, c'est Team Sunfury. Sunfury. Alors, c'est eux qui ont créé la map. Et ça, c'est les ratonnards de leur team, je pense. Ou pas. Bon, je sais pas. Bref, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouvera mercredi prochain. Je vous dis, salut.